Donc là ils sont très très gros, toujours très serrés. Donc voilà, on peut voir que les cochons là ils sont couverts de mouches. J'ai jamais vu autant de mouches dans un élevage. Regarde ça, regarde ça. Putain, c'est dingue. Je peux les toucher les mouches. Regarde, celui-là, il a plein de marques. À mon avis, c'est des marques de cochons. Ils se sont battus entre eux. Il y a les oreilles complètement défoncées. Là, il y en a plein qui ont des griffures sur les côtés. Ça, c'est en permanence comment les cochons vivent. Ils vivent dans l'obscurité. Ils ont juste ces petites fenêtres qui sont là au fond, qui sont fermées. Donc voilà, on vient d'arriver dans le bâtiment des maternités. Ici, ce sont tous les outils qu'ils utilisent pour les soins en porcelet. Alors, je vais vous montrer ce que c'est, les soins en porcelet. Bah, c'est ça, voilà, ça c'est un scalpel. Donc, c'est utilisé pour castrer les cochons. Donc, ils sont castrés à la naissance, dans les 2-3 jours. Ensuite, on a une pince. Donc, tout ça, c'est à vif et c'est fait sans anesthésie. Ici, on a toutes des seringues. Ici, on a des boîtes, des petites injections de tulathromycine. Ça, c'est des trucs de maternité. Donc, elles sont là juste pour reproduire dans des cages. Comme ça, de cette taille, où elles peuvent même pas se retourner, elles peuvent juste se relever, se coucher, c'est tout. Donc ici, on peut voir des traces de sang contre les murs et il y a toujours des traces comme ça. C'est les endroits où ils prennent les cochons qui sont malades et qui ne peuvent pas guérir puisque ça coûte cher de faire les soins, donc ils les tuent. Et la façon la plus facile de les tuer, c'est de les prendre par les pattes arrière et de leur cogner la tête contre le mur ou le sol. Ça s'appelle le claquage. Et on fait ça avec les cochons et les lapins.